à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo process sur le December Daily. Alors je vais essayer de la faire un petit peu en direct, un petit peu en accéléré pour les parties où ça mérite de passer plus vite, hein, sinon ça va être vraiment trop long. Alors déjà ce que j'ai fait hier c'est que j'ai imprimé tout ce qui me manquait, donc tout ce qui est cartes de journaling et photos. Donc là je vais tout couper, je vais insérer là où je peux combler les trous, on va dire. Et puis voilà. Et puis après, ben... Ouh, et en plus, je vois que ma carte, elle est trop... Elles sont un peu grandes. Bon. Alors, je vais devoir redimensionner un peu tout. Donc voilà, je vais filmer en accéléré parce que c'est pas intéressant. Je vous retrouve après. Donc voilà, c'est tout coupé. Finalement, mes cartes me paraissaient plus grandes. Elles sont en pile à la taille, donc c'est nickel. Alors là, maintenant, je vais remplir mes pochettes. Hein. Donc normalement, le début, il y a tout qui est fait. Donc là, cette photo, elle est là. Ok. Il me reste deux photos intercalées. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, c'est mystère. Là, il me reste un petit... Oui, bah. Ici, il me reste une case à remplir. Je pense que je vais mettre un petit papier à motif. Donc là, ça, hop, clac, voilà. Ensuite, carte de titre. Donc là, celle-là, elle va aller à la fin. Attendez. Celle-là, je vais la mettre ici. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, astuce, hein, ça, je vous en avais parlé, je crois, en story Insta. Ce que je fais quand je vois que j'ai un peu avancé mon album et qu'il me reste des trous, je mets des post-it sur chaque pochette parce que au moins je sais l'idée que j'ai une idée pour cette case. Et au moins, quand je fais le tour pour voir ce qui me reste, et eh bien je sais du coup ce qu'il faut mettre dedans. Donc là, carte de titre 3x8, c'est fait. Voilà. Donc là pareil, il faudrait que j'ai envie de coudre là sur ces petites maisons, donc il va falloir que je sorte la machine. Donc là, ça je vais l'enlever. Ça me fait penser, là j'ai un bug parce qu'il me manque une photo. Bref, je réfléchis en même temps en fait. Donc là, il me manque une photo en rond. Donc c'est cette photo là que je vais couper après à Big Shot. Voilà. Là, je vais mettre ça pour finir l'album en fait. Donc ça, je vais recouper un peu. Je vois que ça coince, ça va pas du tout. Oui, du coup, pour pas changer, il y a ma machine à laver. Hein, donc voilà. J'essaierai de mettre une petite musique d'ambiance. Ça peut être pas mal. Donc là, je peux enlever toutes ces pochettes. Clac, clac. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là je vais mettre une pochette ici. Je sais pas ce que je mets là. Est-ce que je mets celui-là? Je le mets à l'envers? Oui, évidemment. Voilà. Alors je sais pas si vous préférez les vidéos où je fais en direct, où je parle, ou vous préférez les vidéos déjà sans machine à laver. Ou les vies. Ah ben non, elle est là. Ah oui, du coup, je sais pas ce que je vais mettre de ce côté. Bon, je pense que je vais la recouper en 3x8, celle-là. Comme ça, je pourrais la mettre là. Et ça va me combler. Ça va me combler ce trou. Et cette carte, je pourrais la mettre ici. Donc, nickel. Donc là, on est en bonne voie de finir, les amis.
Non, si je vais pas devoir la recouper un peu celle-là aussi. Donc là, je vais probablement coller quelque chose là après, hein, mais bon, là, je préfère... D'ailleurs, il faut même que je la recoupe un petit peu. Hop là, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai tout calé. Donc, la photo. Hop. Je vais la recouper. Bon, c'est dommage parce que du coup, j'ai imprimé trop grand. Et je recoupe encore un peu. Donc là, c'est pareil, que je recoupe un tout petit peu le haut. Ça m'énerve, il faut toujours recouper, recouper, recouper. Voilà. On devrait être pas trop trop mal. Voilà, nickel. Je vais vous montrer aussi ma boîte de December Daily. En fait, c'est une boîte que j'ai achetée à Action. C'est une boîte à compartiment. Donc, vous avez le haut qui s'enlève. Et donc là, en haut, j'ai mis tout ce qui est petite déco, etc. Et sinon, en dessous, c'est tout ce qui est papier, carte, truc un peu grand. Voilà. Et du coup, je mets tout là-dedans. C'est plus pratique. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais découper une pochette, une case. Et je vais coller la case pour pouvoir glisser ma carte dedans un peu. Est-ce que je l'ai... Il me semble que je l'ai fait déjà... Un peu cette façon, sauf que là, je vais mettre du ruban en haut pour pouvoir tirer la carte. Et pour faire une petite déco. Thank you.
Bon, donc on va reprendre. Je vais refaire cette page là parce que ça me turlupine, j'aime pas du tout. Donc ça, on va le garder pour plus tard. Hop, ça poubelle. Parce que du coup, ça ne me plaît pas que ça soit qu'on voie le bazar en fait derrière. Donc je vais le refaire. Et ça sera plus joli. Hop là. Donc en plus, j'ai bien fait de le refaire parce que ma photo que j'avais sortie en premier lieu, elle était trop grande. Donc du coup, on était un petit peu coupé. Là, on est au bon format. Donc c'est nickel. Hop. Bon, alors dites-moi en commentaire, vous en êtes où dans votre December Daily? Parce que je sais, j'avais fait un petit sondage sur Insta et je sais que c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. Ça a été, ouais, ça a été compliqué pour tout le monde. C'est toujours compliqué d'ailleurs pour tout le monde ce December Daily, hein, mais bon. Je vais chercher une petite déco. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets un cœur? Oui, effectivement, je peux mettre un petit cœur. On va mettre lequel? Un vert. Ouais, on va mettre un comme ça. Hop là. Ouais, je peux même en mettre un deuxième en haut. Hop là. Voilà. Donc, cette page, c'est fini. Donc ensuite, ce que je voulais faire. Alors, j'en étais où? J'en étais ici. Là, ça me plaît pas cette photo. Les couleurs vont pas. Donc, ce que je vais faire. Ah ouais, mais ça marche pas du coup. Ce que je vais faire. Je vais essayer de faire une espèce de flip. En fait, il faudrait que j'ouvre ici. Je vais essayer de le faire. Je garantis pas que ça soit concluant. Oh, si, ça marche. Donc, voilà. Donc, faut que je regarde s'il me reste des cartes. Ou alors on va. Il doit me rester des cartes quelque part. Il faut juste que je les retrouve. Ou alors je vais essayer de caler celle-là dessus, carrément. Je pense que je vais faire ça. On va faire ça. Donc, déjà, je vais pousser ça. Ça, je le garde pour un autre truc après. Donc, ce qu'on va faire. Donc, il me faut. Donc, je vais scorer 3 et 4 mots. En fait, je suis obligée d'utiliser 2 massicots. Parce que ma lame est morte et en fait ça me démonte le papier, donc voilà. Donc et comme l'autre il y a le comment dire, la lame entre guillemets pour scorer le papier, je suis obligée d'utiliser les deux tant que je n'ai pas racheté de lame. Donc on va faire comme ça. Ça va faire clac. La photo va venir là. Et là, par-dessus, je vais mettre... Désolée, je me parle à moi-même et à vous en même temps, c'est un peu bizarre. Mais ça m'aide un peu. Cette vidéo va durer 12 000 ans, c'est pas grave.
Clac. Et là, je vais recouper donc cette carte en 3x4. Et je vais le coller dessus. C'est ça qui est bien quand on a un kit digital, c'est que du coup, ben, on peut imprimer ce qu'on veut et on peut le réimprimer à l'infini. Alors, le seul hic, je préfère vous le dire, c'est mais qu'il faut prévoir une cartouche d'encre exprès, quoi. Avant de commencer, il faut faire son stock de papier, son stock d'encre, parce que ben, vous allez en passer déjà. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que ben, j'ai la Canon Selfie, donc pour imprimer mes photos. Et sur ma grosse imprimante, en fait, j'imprime que les photos en grand format et du coup, bah, tout ce qui est papier, carte, embellissement, etc. Donc, voilà. C'est un peu ça qui me sauve. Mais bon, sachez que voilà, pour mon dessin bordélique, oui, j'ai passé une cartouche d'encre et noire et couleur. Même un peu plus parce que comme je le finis maintenant, j'ai dû les dernières photos en grand format, j'ai dû les imprimer, donc... Donc voilà. Bon, du coup, je cherche quelque chose. Alors, je me demande si je vais pas mettre ça comme ça. Et que je vais la graffer carrément. Je pense que si. Je vais faire ça. Par contre, comment je vais la graffer? J'aurais bien aimé faire dépasser la graffe. Un petit peu en haut là. Donc après c'est pas grave si vous voyez les agrafes là, vous pouvez soit penser à agrafer avant de coller votre papier, soit vous mettez quelque chose pour cacher si ça vous gêne. Moi ça me gêne pas donc voilà. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Donc maintenant, verdict. Hop. Et voilà. C'est mieux, non? Plutôt que ça, moi je trouve. Après, j'aurais pu aussi faire une carte de journaling ici. J'aurais pu, mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Après, là aussi, hein, vous pouvez coller des étoiles ou quelque chose. Quelque chose de plus. Alors, donc voilà. Donc là, je pense que pour cette vidéo, ça va suffire. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour finir l'album. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé toute seule, hein, voilà. C'est normal, quand on fait du scrap, on parle beaucoup seul. Mais voilà, j'espère que ce format vous plaît. Dites-le moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos process parlées. Alors forcément, ça fait des vidéos qui sont plus longues, voilà. Mais ça peut être aussi plus sympa pour moi, non seulement parce qu'au niveau du montage, ça va être... Enfin, ça ne nécessite pas de voix off. Et pour vous, vous avez les explications en direct. Voilà. Alors écoutez les filles, je vous fais plein de bisous, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.